Ok, tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Hauteur, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur The Hunter Call of the Wild. Et aujourd'hui, on va chasser du gnou. Donc il y en a plusieurs. Allez, ok, lui c'est bon. Les autres, ok. Oh, je l'ai touché. Et il y a un petit problème, c'est que il y a certaines fois où l'IA est vraiment buggée. Où je touche, mais ou enfin je m'approche et ils ont pas peur, ou des fois je suis trop loin et ils ont peur, donc je sais pas, des fois c'est assez bugué. Ok. Tout à l'heure j'ai chassé la lionne et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai fait un double clic et le record n'a pas été fait, donc je l'ai éliminé en deux coups. Et du coup, je l'ai. Comment ça s'appelle? Taxidermie. Voilà, je l'ai mis en. Je l'ai empaillé et puis je l'aurai du coup en décoration, mais du coup on va devoir en rechasser une, donc ça m'énerve un peu. Ou un. C'est assez rare, je trouve. Même si j'ai eu de la chance là, il y en avait plusieurs je crois, mais bon. Tant pis, c'est comme ça. Donc ouais, je vais aller, je pense, plus vers là-bas prochainement. Ok, on a eu encore un gnou, je crois. Deux gnous. Ok, let's go. Ok. Bon, ça fait pas non plus énormément d'argent, mais je dépense plus. Mais vu que en parallèle je farme beaucoup en off avec les bonnes balles et tout ça. Enfin, les bonnes balles. En fait, je farme avec ces munitions et tout ça, sauf que je farme sur la zone, la map principale. Et là-bas, bah du coup, je sais quelle arme utiliser pour qui et tout ça, donc voilà. Un gnou bleu là-bas. Ouais, là-bas, je le vois pas. Ah, c'est quoi là-bas? Un lion, allez, oh bon. Eh, c'est la deuxième fois que je vais devoir vous couper comme ça, mais dans tous les cas, j'allais arrêter la vidéo. Mais waouh! En plus, là-bas, on a du gem soc. Gem soc. Gem spock, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, c'est Twitter, n'oubliez pas que je vous kiffe, allez, ciao!